Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tirer la bande de combo. Dans ce là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté la bande de au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manina Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le coup la bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Mars 2024, bonne fête de femmes à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, particulièrement Bassignons, Bazali, Bongo, la ville province à Kinshasa, Bazali, Nagoma, Bazali, Naruchuru, Bazali. Mingi mingi bao bazali ba déplacé en tout cas toza de cœur na bino mokona lelo mokili mobimbe zali ko célébrer bongo journée internationale de droits de femmes na lolenge walande thème o ezali bongo exploité mokolo ya lelo ezali investir en faveur de femmes accélérer les progrès moi sindé a memaka progrès ce qui azali on a ba opportunité moi mingi lolenge moko ndenge to bengaka ngo égalité ko sala que société na biso même société congolaise pourquoi pas et kende liboso honneur aux femmes honneur aux mamans ces jours ezali mokolo ya réflexion mingi mingi parce que tozali na etumba na partie est et mokona lelo esenga maki na basinyo so na congolais nyonso ale kisayango penza na kobanza ka ba mama o bazali kuna na partie est ya mboka na biso pona kongo lelo e ban dit quelques sujets d'actualité avant d'aller plus loin et selon mise au point mon repensami na gouvernement et Zalim atta mon côté d'un accord militaire entre RDC et Perusun ndenge tambola kimikolo Mileki, Yango et Salema qui ont selon le gouvernement congolais, ou assigné qui communiqué mon lobby Moleki, Kozong allé na Kinshasa, Tata Mokambi, Ya Ekolo, Félix Antoine Tshiseke Diasola, Kibongo, na directrice, ya au Itali programme alimentaire, Nambo Kanabiso, na Sige à crise alimentaire, Nambo Kakongo, précisément na partie est, et c'est n'est quoi que Tata Mokambi. Kola zali ko bunda nyonso penza pour que kimia ezonga kuna na est ya République démocratique du Congo kasi pendant ce temps ezana bayimboka ba congolais o bazali conscient bazali ko travailler pour na banguna moko ya ba si j'ai nabiso ya moko na leto ko réfléchir autour de cette question l'autre fois to lobela ki yango likamba patriotisme pe bon na bongo mais l'autre ko kende penza na sens ya ba sanction comment est-ce que ces gens doivent être sanctionnés parce que on peut pas comprendre que motoza conscient en simba bongo mindu kipo na koboma bande kuna e moko quel que soit le problème et il y a un groupe de gens un groupe de politiciens un groupe de gens de mouvements citoyens au bazalaki bongo interpellé arrêté même parce que selon ba enquête bazali ko soutenir bongo parti ya ba ennemi na biso quelles sont les sanctions et sengeli ko réserver pour na bango et moko ya mituna ya tongo la lelo pona Congo to zali bongo spécialement on a ndeko fierté dinanga moko ya ba IDPS on a beaucoup nanga mobali on a pesi mbote mbote mona mboka merci na invitation yo bengi sarabiso poto ya baumbu ya peuple te ya bosolola na bango temeka ko échanger pe ko éclairer makambo ezo semblé être flou musala na biso yango wana yango na tondi obotondi très bien merci beaucoup mona mboka toza bongo na ndeko John Kadimba John Didrik Madimba très bien bolimbisi mbote pe boyebola
Mbote Maman Naomi, mbote na banyonso, bamisana kolanda émission yo. Profitons de cette occasion pour saluer toutes les femmes. C'est d'une manière très estimée, c'est avec noblesse et fierté que na pesi mbote na maman nanga moboti anintanga pe na pesi mbote na madame Marie José Ifoko. Très bien, vous allez le soutenir. Vous allez la partie maintenant du côté Union Sacrée, du côté de l'opposition, puisque après les élections, bon, c'est prononcé qui presque pas. Bon, nous avons soutenu, nous avons félicité le président de la République, mais il n'en revient pas à John Diedrich Madimba de définir la position de tout un parti, mais c'est de l'apanage du bureau politique. Et au moment opportun, le bureau politique va se prononcer. Il y a un moment où on a dit que vous avez. On a sa porte-parole, il y a ANC, il y a nous avons pondu un communiqué félicitant le président de la République. Moi, Namboka Félix Antoine Tshisekedi, oh, longi ma ponami. Tobi, nous tendons la main à Félix Antoine Tshisekedi, mais il appartient au bureau politique de faire un communiqué officiel. Mais nous sommes du côté du peuple et du côté de la raison. Très bien, merci beaucoup. Ndeko Shadrack, Ndeko Shadrack, il y a piste pour l'émergence. Souvent, Mbote Pebouéboua. Mbote Maman Naomi, merci de l'invitation au PCBISO. Je suis Mbote Naba Maman Nyon Soya Est. Je suis souffré, je suis victime. Il y a viol et puis victime, il y a violence conjugale. Je suis toujours de cœur Nabango. Et je suis en train de débuter l'émission. Très bien, merci beaucoup. Je suis fierté de l'invitation au PCBISO. Je suis fierté de l'invitation au PCBISO. Je suis traître à la République démocratique du Congo. Récemment, tout le monde a appelé à tout. Tout le monde a appelé à Elongo. Je suis fierté de l'invitation au PCBISO. Mais je suis fierté de l'invitation au PCBISO. Je suis fierté de participer de loin ou de près. Je suis fierté de malheur. Je suis fierté de l'invitation au PCBISO. Pour que le moyen politique paie moins dans le Congo. Je suis fierté de l'invitation au PCBISO. Fraction qui est retenue contre Bango, est-ce qu'il faut des sanctions spéciales pour décourager quand même Banti Valéroy? Merci beaucoup, Maman Naomi, pour la Moutouna. Et ça, Moutouna Moutouya Makassi, parce que nous constatons que la République démocratique du Congo traverse le moment le plus difficile de son histoire. Hein, depuis 1885 jusqu'à ce jour, on a connu des moments de tergiversation, de bouleversation, de bouleversement. Et aujourd'hui, le Congo a cette démocratie qui est encore, qui bouge encore, dont il faut une conscience collective pour la rendre solide. Alors, ce qui s'est fait, toujours Mouna, Banamboka, Oyo, Bazozoa, Paria Munguna, certainement, ça fait très mal. C'est comme je l'avais dit l'autre fois que nous devons quitter la défense des intérêts politiciens et la défense des colorations et partis politiques. Nous devons défendre la nation. Aujourd'hui, ce qui va imboganyon suba sangani pour la cause moko, l'union fait la force. Toujours mona, même les gens qui étaient des notables ici, qui se voulaient être plus responsables que soi, bazolonga baké et pas ba banguna. Oui, il faut des sanctions. Les sanctions qui vont porter un caractère purement pédagogique. Parce que ce qui moutoua sali mabe, sanctions y étaient, lobby a roubandé la mabe wana. Alors pour éviter que Batumususo Bagoya peut basimbi singa ya mabewana babanga, il faut des sanctions, mais vraiment des sanctions sévères. Entre autres, l'excommunication est une sanction majeure exemplaire. Ça veut dire que si tu es congolais et que tu t'es arrangé derrière les rebelles, il faut que l'autorité congolaise te ravisse la nationalité congolaise et qu'on te chasse du Congo. Et ça c'est un. Des deux. Si tu as des acquis que tu as eus ici en République démocratique du Congo, il faut que l'État congolais te ravisse ce que tu as eu. Si tu étais fonctionnaire de l'État, si tu étais ministre, si tu étais DG et que tu t'es arrangé derrière les rebelles, c'est de la haute trahison. Aujourd'hui, j'ai du mal à souhaiter la fête du 8 mars aux femmes. J'ai du mal. Je ne vois pas que la femme congolaise est libre. La femme congolaise n'est pas à l'aise. Ça, quand une femme meurt à l'est de la République, à Kinshasa, la femme saigne. Ça fait très mal et je ne peux pas aujourd'hui me donner l'élixir de cela. Voilà pourquoi, en termes de sanctions, madame, il faut qu'on te ravisse jusqu'à la dernière goutte de centime de ce que tu as eu en République démocratique du Congo. Les Congolais peuvent beaucoup dire, refuser les dons de la République. Congo et Pessinga Nini. Tu étais ministre, tu n'avais rien. La plupart qui arrivent ministres, trouvent tout ce qu'ils ont
à la gestion de leur, à l'exercice de leur mandat. Après, ils vont dire, moi je suis tel, j'ai des qualités telles, avant d'être ministre, je vivais déjà avant. Et quand on regarde ça, on dit, mais vous crachez sur la mémoire de cet État qui est un système. D'où il faut que l'État congolais réincarne ses valeurs sacrées, que ce Léviathan puisse fonctionner en tant que tel. Toute personne qui trahit la République, qui va de l'autre côté de la rive, il faut que les sanctions s'y mettent pour pouvoir corriger ceux qui peuvent faire comme cela. Retirer la nationalité congolaise, retirer jusqu'à la dernière centime de ce que vous avez eu en République démocratique du Congo et les donner à ceux qui périssent. Très bien, merci beaucoup, Mwanamboka Ndeko Shadrack, qui a les cas, qui est les cas, Marubombo Kawayo, vous pensez que les Kambetali trahison, les Kambetali traîtrise, Namoto Yamboka, Topé Nabaye, Bangolais, comment est-ce que ces gens-là doivent être sanctionnés? D'abord, pourquoi problème il y a patriotisme, mais allez causer, vous allez persister dans le cannabiso. Ce qu'il faut qu'on inculque patriotisme, est-ce qu'il faut qu'on connaisse une école primaire pour que l'homme congolais ait quand même la conscience qu'il y a qu'on batte la mabélé en Bokanaï, soit les apolitiques, n'est-ce pas, il y a des gens qui raison que faute il y a politique, ils ont qu'on est mal à monter, n'est pas tout bas la facilité à retrahir en Bokan. Merci, Maman Naomi. Question de Zali Moutouya Makasi. Nassir, faut tout en code pénal, surtout un code pénal, article 181, Bakomi Balobi, sera puni de trahison, sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République démocratique du Congo. Et donc, la loi a déjà prévu la sanction pour toute personne qui va prendre les armes contre la République démocratique du Congo. Problème, Nabiso Ezali était, il faut suivi Ezala na applicabilité, il y a ma commis Nabiso. Parce que Congo, le lot, il y a un problème, il y a application, il y a un test. Il y a un texte qui est bien, mais le problème, il y a une application. Mais ouais. Je pense qu'il y a un moratoire sur la peine de mort depuis. C'est vrai que la peine de mort n'est pas abolie, mais il y a un moratoire. Donc, ce qui va passer notre peine de mort, soit il reste en prison, en perpétuité, ou bien au tic en prison à vie. Mais écoutez, maman Naomi, même cette moratoire-là viole la loi. Mais le problème aujourd'hui, il faut d'abord voir si la loi est observée dans tout ça. Koboma, le lo, ndenge tozali koloba makambu, eza koboma mboka ezali kate ko zwa minduki. Bao bazali ko détourner mbongo ya peuple. Ezali pe d'une façon o bazali ko linga peuple et bazali ko détruire po bazali ko détruire mboka. Parce que si vous décider de détourner l'argent du contribuable congolais, c'est que vous n'aimez pas cette population, vous n'aimez pas les peuples. Bah oh bazali bah yibibisombo ngwaram bah oh bazali à chaque jour tozali comment na basendenge zali ko salam parti à peuple zali té na ba décision na bango siko le lobby sonyo tozali ko condamner Jean-Jacques Mamba tozali ko condamner l'ex président de la CENI. Oui, c'est vrai, Corneille nanga ba commettre zali ba bavir, mais qu'en est-il na ba bazali ko yibambo ngwa peuple? Et ça d'une façon peu basali que bon ma peuple, parce que ce que zopé sa peuple ya koliate, zopé sa peuple ya komelate, c'est que zopé maé, zopé monde. C'est à dire que on a un sérieux problème de leadership au niveau de notre pays. C'est à dire ma politique au biso tozali na bango ba lingimbo kate. Yango nozo mona ke chaque mutazo se paye les lix ya ko sala n'importe quoi. Parce que maman. Un problème seulement politique ou un problème de mentalité dans la population congolaise? Non, ce n'est pas seulement un problème politique, c'est aussi un problème de mentalité. Mais qui doit réorganiser les choses au niveau de la société? C'est l'État. Lorsque l'État est irresponsable dans sa façon de gérer la République démocratique du Congo. Eh bien, ce qui papa Azali responsable était bana badali na divagation tout monde en kayango. Donc ezo senga que l'État a la série na makambazo sal. Ce que l'État zo pesa a koli azo pesa a komela. Je ne trouve pas de moyen au mutakoi ko décider a kendo ko zwa minduki. Pendant que batona badako ke po parce que bazali ko comprendre que ba o bazali ko diriger biso bazali ko détourner et puis bazali ko bomba bango. O ko comprendre c'est à justifier ça là. Pardon? C'est à justifier. Mais non non, aucune motivation. Oyo bango bakoki Jean-Jacques Mamba ou Corneille nanga bakoki ko avancer ezali justifiable ezali te et ba acte na bango na ba o bazali ko konza biso tozali ko condamner yango. Mais le problème de base ezali il faut revenir à nous-mêmes parce que aujourd'hui on ne comprend plus rien. Aujourd'hui même acte oyo toko ba condamner ki yango na période ya Kabila, ce sont les mêmes choses qui sont en train d'être commises aujourd'hui.
Voyez-vous, c'est-à-dire que Tozali Kosalaka, Tozali na continuité ya ba makambango. Même le lot Jean-Jacques Mamba a décidé à rejoindre Cain Arabel. C'est la continuité, parce que pourquoi pas toi arrêter l'hémorragie? Mais pendant qu'on arrête l'hémorragie, il faut d'abord que nos dirigeants basent à la série dans des gens gérer la République. Parce que moi, je ne trouve pas vraiment des raisons valables si aujourd'hui on vous donne à manger, on vous donne à boire et que Moutoulola a décidé. Je vous donne un exemple. Pourquoi il y a le taux de criminalité, il y a Koulou, il y a Makas, il y a parce que il y a des difficultés, soit il y a vraiment un sérieux problème psychique. Mais c'est rare. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions, il y a vie. Il y a des placements, il y a des liens. C'est la même chose avec la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui on met chaque citoyen à sa place, je ne crois pas que Tozala Naba Makambo. Ce qui veut dire qu'au sang de nous, il y a un sérieux problème à la matrice. Mais comment décourager traîtrise na moto yambo kanabiso to na ba population nabiso? C'était ça la question. La première des choses, c'est que d'abord, l'instant du patriotisme, c'est d'abord d'aimer son prochain, d'aimer son pays. Notre constitution ici s'est fixé des objectifs dans son préambule, dans son exposé des motifs. C'est-à-dire, nous devons d'abord aimer, l'amour de la patrie doit surpasser tout. Peu importe ce qui ne marche pas à l'interne, nous devons seulement nous battre parce que Lumumba, il s'est bâti pour nous libérer, pour nous accorder l'indépendance. Ils n'ont pas pris les armes. Nous n'avons pas besoin des armes pour venir sauver ces pays. Non. Nous devons juste nous battre à l'intérieur. Et puis, ma sanction, applicabilité à sanction, parce que le code pénal l'a déjà prévu. Mais qu'est-ce qui cause problème aujourd'hui? C'est l'application. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Monamboka John Madimba. Je vous reviens sur la question de comment traiter Oyo Bazali Kokende Mosika, Kokende Libanda, Mboka Nabiso. Déjà, comment traiter le problème, il y a patriotisme. Nazo Banza, Tata Mukambi Kola Lobaki, il y a Kala, Joseph Kabila Lobaki, et l'autre, Azo regretté à changer homme congolais. Est-ce un problème politique, soit un problème, il y a mentalité, il y a manque, il y a patriotisme. Tous les Kamboyango, ils ont une autre facilité, il y a un trahir Mboka pour nous conseiller la Bangouna. Bah, sanctionner une copie, ça pour nous décourager. Parce que depuis l'histoire de notre pays, on se rend compte que les gens ont une étape, on a facilité à trahir, zongi dialogue, et puis nous avons une zone trahir, dialogue, et puis comment on kata cycle il y a rébellion. La bandina nous a rencontré de Konangaya, tant qu'on a dit que la différence entre moi et Gombe et moi, Nanjil. Madame, il n'existe pas de société parfaite. Soit vous prenez le communisme. Ceux qui ont tali dans toutes les sociétés du monde, même dans les modèles de Madeleine Grawit, différence à la caca. Je vais illustrer ma pensée. À Tassoukina dit dans la meilleure de toutes les sociétés ou d'organisations, et c'est à l'eau là, non? Vous verrez qu'il y a les séraphins, il y a les chérubins. Donc la différence, la discrimination est un fait des sociétés. Soit qu'il y a la constitution, Balobi ne peut postuler comme député national qu'un Moutouane a 25 ans. Soit Moutouane a 22 ans. Est-il moins congolais que celui qui a 25 ans? L'égalité, cette égalité totale est une absurdité. Ça ne peut pas être. La discrimination est un fait des sociétés. Pourquoi je connais Mboka, il faut payer 100 000. John Dedrick Madimba, du reste, congolais de père et de mère, il a 100 000. Est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hein, est plus congolais que John Dedrick? Non. Nous sommes tous congolais. Vous comprenez? Donc, différence, il faut exala. Il est normal qu'il y ait une différence entre moi na Gombe na moi na Yanjil. Il est normal qu'il y ait une différence entre moi na Njil na moi na Mongafula. Parce que ce ne sont pas le même, hein? Ils ne sont pas dans la même structure parfaite. Vous verrez, moi na Mongafula mais ça na Bangomba. Moi na Lemba mais ça na terrain plat. La différence est évidente. Vous comprenez? Il n'y a pas de raison pour toi Simba Mandoki. Il justifie la raison le baguette. S'il y avait une répartition, je ne prends pas ces mots de la manière la plus parfaite. Mais Nazo Bandela Makanisinae, s'il y avait une distribution équitable des richesses, il n'y aurait pas rébellion. Faux. C'est un problème d'égoïsme. Batu basali rébellion. Et ça, babola, netiba. Biso qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de fonction. To batu, l'État pèse signons.
nanga zali mutunyo so l'état pesi nyoso ya ebaki nanga api bisote l'état de azui nanga asmatisi nanga apesi asali institution indépendante pananga mais il a déjà une institution indépendante qui est la CENI mutwa bongo qui a tout bénéficié de l'état akosi mamandoki. Si on parle d'un groupe de politiciens... Je vais arriver. Mais ce n'est pas de gens, ce n'est pas des petits messieurs. Ce sont des messieurs qui ont tout bénéficié de la République. Jean-Jacques Mamba, honorable entre guillemets, député à plusieurs reprises, a quelque la rébellion après avoir échoué. Il faut vous poser la question fondamentale. Si Jean-Jacques Mamba a gagné l'élection, a gagné sa rébellion, tout n'a capé. Il ne faut pas réfléchir. En français, on dit texte pris en dehors du contexte est comme un prétexte. Oh, ça les a, il prétexte. Il y a toujours une différence. Madame, il y a une différence. Il y a une relation, mais indirecte. Il y a détourné Mbongo. Il y a solo, ça peut avoir une incidence. Vous comprenez? Mais l'incidence est indirecte. Mais c'est aussi grave, c'est un crime. Je ne dis pas, je ne dédouane pas les crimes. Analyse toute une société. Je ne dédouane pas les crimes. Mmh. Mais je suis en train de faire une analyse comparative des faits. Pour dire que rien ne peut justifier le fait que Moutoua Simba Mandoki, même pas les déséquilibres, l'exemple le plus éloquent, Deska, na France, na Sarkozy, à l'Obi, je vais aller postuler. Bakunios va dire que Deska a candidaté. Bakomi a 20 élections, Bakosi Deska a violé, a empêché. Deska Simba Mandoki te poigne. Parce que Deska n'est pas un petit monsieur. Il a dirigé l'FMI. Ce n'était pas un petit monsieur. Il avait le moyen, si maman de Tepoanine, pour l'honneur de la France, à Tikali. Tokeina, Gabon, Ping. Bagangiawa, Bagangiawa. Ping a dit mes échecs. A prêté serment comme Étienne Tshisekedi Mulumba de 13 heures de mémoire. À si maman de Tepoanine. Il n'y a aucune raison qui peut justifier aussi maman de. C'est de cette manière que je rejoins mon frère. Et Nathan Yango, il y a honorable Moutamba Costant qui a proposé est-ce que bah, ravir bâton de la nationalité. Madame, je vais vous dire encore. Là où la sanction n'existe pas, les gens vont briller par l'impolitesse, les gens vont briller par le manque de discipline. Il fallait que. Parce que quand vous êtes dans. Quand vous lisez la théorie de l'organisation des entreprises, vous voyez qu'il y a des modèles d'entreprises. Et le modèle parfait, à mon humble avis, c'est le modèle divin. Vous comprenez? Que l'on conçoit. Parce que tout l'homme est esprit, vous comprenez? C'est le modèle divin. Mais dans ce modèle divin, quand Dieu a vu les diables s'opposer à lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sanctionné. Et depuis que Dieu a sanctionné, vous avez vu notre ange s'est révolté? Sans la sanction, rien ne peut arriver. Donc on doit prendre des mesures. Et que dire la dénonciation de Christophe Mboswa Lobaka, collègue qui était les groupes armés? Est-ce qu'il faut fouiner? Il ne faut pas interpeller les amis, les collègues comme en les suppliant. Il faut épouser l'idée de mon frère. Ça veut dire ravir la nationalité. Parce que, et puis, quand vous ravissez la nationalité, vous dépouillez ces gens. Et ça se vérifie dans l'institution spirituelle. Dieu a dépouillé Satan et l'a précipité. Écoute sa discipline. Boke Jesus une église primitive. Anane Safira, Balali Balamouki, Balé, Bakosa. Vous comprenez, non? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a puni de mort. Qui aime bien châtie, bien, le chef n'a pas d'amis. Donc, pour sauver la République, on doit prendre des mesures dures. Ça veut dire non seulement ravir la nationalité, parce qu'il y a des gens qui ne considèrent pas le pays. Mais il faudrait que ces gens soient punis. Bah, ravir Bozuno Nyonso. Et puis, ces gens ont un mauvais exemple. Vous savez, leur exemple, c'est quoi? Ils savent qu'en brillant de cette manière, ils seront au gouvernement. Ils auront les dialogues. Mais nous sommes heureux. La première chose, il faudrait réviser tout dialogue avec les rebelles. Le président de la République, les gouvernements doivent refuser tout dialogue avec les rebelles. Et comme nous savons que derrière ces rebelles, il y a le Rwanda, moi je dis aux jeunes, au lieu de venir à la télé, président de la République, moi je compris que le problème n'est pas Fatih. Le problème n'est pas, tout est parti de 94. À moins, bon, il y a de ceux qui souffrent de l'amnésie sélective. Hein? Bon, l'amnésie sélective, ils viennent dire n'importe quoi au plateau. Tout est parti de 94. C'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, pousser la communauté internationale à mettre en place la charte des Nations Unies. Parce que les organisations internationales hein, ont un rôle dans la gestion de conflits. Le cas de Cameroun avec le Niger. Bando est là, terre. Comment ils ont résolu? Par les institutions internationales.
Parce qu'ils ont un rôle à jouer. Le monde est un village planétaire. Je suis en train d'extrapoler un peu pour dire ceux qui se plaignent, ceux qui se disent le président a beaucoup voyagé, le président est en train de chercher des relations à gauche et à droite. Pour sauver cette république, la diplomatie n'est pas la voie exclusive, mais c'est la voie la plus prépondérante. Je mets quiconque au défi de me rencontrer. Très bien. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Quelques... avant de te passer, une déco fierté d'Inanga, aux Ali Bongo Namaloba, toujours la Bongo formation à gouvernement, aux Ali Koyana, aux nos Ali, problème Yanzala, aux Ali Komata de plus en plus, problème y a emploi, au Tata Mokameko, la Loba qui a coupé Sabanamboka, problème y a sécurité, aux Ali Moko Yaba Pili, à Makasi, à programme Naye, formation à gouvernement, bah défini, aux Ozela, Bayo, Bazali Koya, et puis ndengeni sengeli bazala pour que ba relever quand même ba défi yango. Merci beaucoup Mwana Mboka pona mutuna o tuni ba yeba olanda biso il faut ba landa biso pe ba yekola ba kanga eloko moko. Je suis content d'entendre mon co-débatteur en face. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui avant de répondre à cette question, c'est quand il dit sur ses plateaux que le problème n'est pas Fadji, que le problème a débuté depuis 97, si j'ai... 94. Depuis 94, voilà. Donc, aujourd'hui, je serai... Depuis un temps, je suis incompris, même au sein de l'UDPS et tout le monde. Je crois que pour sauver l'avancement de la République, il faut quitter la défense des partis politiques, quitter la défense des individus, défendre la République, parce que le Congo traverse son temps le plus difficile. Certes, le problème, c'est Fadji. Pourquoi le problème, c'est Fatih? Comment ça? Je m'explique. Mais Fatih a trouvé la guerre, Mwana Mboka. Écoutez, madame, la vie est une suite de tentatives qui se soldent par des échecs, mais quelquefois aussi par des réussites, dit-on. Fatih est le président de la République, la première institution très sacrée et la seule personne qui juge l'importance et la nécessité. Ce n'est pas parce que le problème a commencé depuis 1885 que tu trouveras l'excuse de dire que ce n'est pas moi et j'ai trouvé le problème. C'est comme j'ai toujours refusé, à tout moment quand le chef intervient, on lui pose la question par les journalistes. Suite à un fait, le président dit « Je suis aussi informé de cette situation, je n'en savais pas ». Moi, j'étais toujours contre cette façon de faire. Tu sais que dit Félix en tant que président de la République n'a pas droit à l'excuse. Le peuple ne peut pas le pardonner. Il doit tout connaître, il doit tout maîtriser. C'est la première institution, la seule personne qui juge l'importance et la nécessité. Moi, j'ai pris la tangente des personnes force de proposition. Pour sauver la République, il ne faut pas flatter, il faut proposer. Ngaina ko ya to belo ko batu moko mokonzi ata sali mabolo bi mokonzi te ngaina ko pesa fele Tshisekedi proposition d'où ma kamunde ko lobi. Je m'inscris vraiment en faux. Tshisekedi n'a pas d'excuse ya ko bi sa batuke comme bitumba il avait des non c'est calmez-vous faut bien mettre les mots. Ne m'incriminez pas de ce que je n'ai pas dit. Vous n'avez pas la parole mon amboka. Alors ndenge nde ko lobi te ke makambo ebandi na 97. Je n'ai pas dit 97, je parle de 94. De 94, voilà. Il y a encore un peu dans le lobby. Tshisekedi n'a pas d'excuse, n'a pas de langage, n'a pas code de gestion, n'a pas de code de que problème, il y a un kouti en haut. A toi, kouti. Tu avais voulu l'institution présidente de la République, d'où tu es la première institution qui incarne une sacralité hors norme et que tu as le pouvoir et le devoir de revenir aux besoins du peuple. Donc, tu sais que des fois, ça, là, que le peuple a ça, la malamou, n'est pas ça, là, je le félicite pour ses positions. Dans la guerre, il y a Est, ou à l'objet que tu n'as jamais dialogue dans les rebelles. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je referme cette parenthèse. J'ouvre la deuxième parenthèse. Il y a mon tourna ou tu tourna biso. Madame Naomi, je crois que. Encore une fois, les responsables du destin de la vie des institutions de la République, c'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis l'un ou l'une des personnes Oyo Babundi na Félix Tshisekedi.
ensemble, sous le baptême de Tien Tshisekedi wa Mulumba. Je connais les combats. Nous avons perdu nos frères, nous avons perdu nos mères dans la lutte politique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Le seul devoir, c'est de revenir à la vie sociale de la République. Le seul devoir, c'est d'asseoir les Léviathans. J'explique toujours aux gens qui ne comprennent pas. Avant l'existence de ce Congo ou du monde, tout le monde était pêle-mêle. Ça veut dire que quand chacun fait ses règles, tout se dérègle. C'est nous, les humains, qui avons créé une volonté de vivre ensemble, créé le pouvoir, le Léviathan. Nous avons dit nous devons créer un pouvoir qui nous dirige. Et ce pouvoir n'avait pas un corps. C'est l'esprit, c'est les humains qui ont fait fédérer autour d'un idéal pour créer un pouvoir. Et ce pouvoir-là lui donnait un dirigeant. Ce dirigeant, c'est Félix Tshisekedi. D'où le gouvernement qui sera là. Parce que nous avons vu, j'ai fait la rétrospection, parce que dans tout ce qu'on peut faire, il faut faire la rétrospection, l'introspection et la projection. Je recule en arrière. Le gouvernement Samalou Kondé, on peut tout dire. Ça reste un échec. Comment ça? Oui. Bah, organiser l'élection, défi à relever. On peut tout dire. Mm. Le gouvernement Samalou Kondé reste un échec. Il y avait les défis sur le plan économique. Nous avons vu Vital Kamerhe prendre les VPM de l'économie. Nous dire avant cela que s'il y arrive, il y aura changement automatiquement. Mais Vital Kamerhe, jusqu'à sa démission, nous avons vu le flambé de dollars jusqu'à arriver aujourd'hui à 28. Mais 29. Je me souviens qu'il y avait de mesures pour stabiliser le dollar, mais ça dirait juste après 2-3 jours. Madame, quand dire c'est faire, ce que j'ai dit, je pense que les personnes qui ont le cerveau de moineau ne vont pas me comprendre, ils vont me taxer de tout. Souffrez, c'est la nouvelle tangente de fierté d'Inang. Ça veut dire que Kamerhe a échoué. D'où le gouvernement Sam, sur le plan de l'économie, a échoué. Parce que nous n'avions pas vu des avancées. Et revenant un peu en arrière encore, Joseph Kabila a dit que je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais. C'est une fil à retordre. C'est une matière qu'il avait laissée à Félix Tshisekedi. Ça veut dire que Tshisekedi devrait se choisir des personnes capables de l'accompagner. La seule personne pour ce gouvernement qui a essayé un peu, malgré que les gens le disent d'une manière épidermique, d'une manière populaire que je ne rencontre pas, c'est Liaou. Il a essayé un tout petit peu de réorganiser, la fonction publique. Jean-Pierre Liaou, on a écouté le premier ministre. Non, mais je suis un acteur politique, je ne suis pas un acclamaire. Okay. Donc je ne peux pas donner cette position-là, Liaou, devenir premier ministre. Pourquoi? Pour les acquaintances politiques? Ou pourquoi? Voilà pourquoi je reviens pour dire au chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, Kabila n'est pas là, madame. Les gens ne critiquent pas Chadali, ne critiquent pas Némi Mouilani. Les gens critiquent Joseph Kabila. Kabila a tué le pays, Kabila a fait ceci. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si Tshisekedi ne relève pas la pente avec le nouveau gouvernement qui va se former, il est le seul ou la seule personne qui a le monopole de la défense de sa politique. Et c'est lui qui répondra devant le peuple. Je vous donne l'exemple. Le choix ambigu du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiny Ngobila, qui est resté dans la capitale comme ennemi de la gestion du pouvoir. Le premier ennemi de Félix Tshisekedi pour la ville de Kinshasa, c'est fut Jean-Tiny Ngobila. Il a combattu Félix Tshisekedi. Et la défense de la politique de la ville de Kinshasa, ce n'est plus Ngobila qui répond. C'est Tshisekedi. On oublie Ngobila, on cite Tshisekedi pour la ville de Kinshasa. Le choix des collaborateurs. Parce que Tshisekedi a encore le temps de ne pas tomber dans l'erreur de Kabila du choix des collaborateurs. D'où il a le pouvoir de choisir des bonnes personnes. Et pour choisir ces bonnes personnes-là, c'est de ne pas subir la pression de la redevabilité politicienne. Vous êtes un parti politique,
Vous avez 20 députés. Attends. Ça vaut plus. Ne venez pas faire la pression parce que vous avez autant de députés qu'on vous donne autant de ministères. Quand on vous donne, vous mettez des incompétents. Mais nous avons appris qu'il y a un quota. Autant de ministres, autant de députés égale autant de voilà pourquoi j'ai dit le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Aujourd'hui, Tshisekedi a le pouvoir de sauver la nation. Tshisekedi, en tant qu'institution président, a le pouvoir de changer la donne. On avait dit à Tshisekedi, on a cité une femme que je respecte ici sur ce plateau, Marie-Josée Ifoku, par exemple. Chuté. Tshisekedi dit qu'il faut qu'il y ait une femme premier ministre dans ses dires. Mais pourquoi ne pas choisir Marie-Josée Ifoku? Voilà pourquoi je dis. Tshisekedi peut prendre qui il veut, quand il veut, et lui donner le poste qu'il veut pour la réussite de son mandat. Surtout que le premier ministre a outre la majorité parlementaire. Je vous dis ici, madame. Selon la constitution. Je vous dis ici, je vous donne un exemple. Malgré que je n'avais jamais été pour le fait que Kabuya soit... là où il a été mis, parce qu'il ne m'a jamais convaincu de la vie. Tshisekedi a usé de son pouvoir pour mettre Kabuya informateur, aujourd'hui formateur. Est-ce que vous savez que les pressions politiciennes n'étaient pas venues vers Tshisekedi pour mettre soit Kamere, soit quelqu'un d'autre? Voilà pourquoi je dis que Tshisekedi a le monopole de la défense de son mandat. Qu'il ne nous fasse pas de choses, parce qu'aujourd'hui les gens disent « je suis de l'UDPS ». Oui. Mais le Congo n'est pas de l'UDPS. Ok? Le Congo reste Congo. L'institution présidente de la République est sacrée. Tshisekedi va partir, le Congo va rester. Maintenant, après ce Congo qui va rester, va hériter de quoi? De Fatshi Béton? Non. Le Congo va hériter na Bilembo. Où il fallait Tshisekedi a dit que la Bissou va congolais. Il y a un gouan dans la zone où il y a. Tshisekedi n'a pas le droit ni d'accepter la redevabilité politique, ni d'accepter les pressions des oiseaux rares. J'ai vu une guerre, j'ai fini par là, entre Bahati et Kamere, pour la province de l'Ituri. J'ai dit, et puis j'ai suivi une vidéo d'un jeune qui dit que Kamere aurait dit que s'il n'a pas la gestion de cette province, l'M23 attaquera l'Ituri. Ce qui est faux, selon un jeune en communication. Voilà pourquoi j'ai dit ceci, madame. Pour ne pas tomber dans tout ça, j'ai vu un président de la République d'un pays suspendre la gestion, la mobilité des institutions pour sauver la nation. Au Sénégal aussi. Hein? Voilà. Ça veut dire que Tshisekedi a le pouvoir. Nous n'avons plus besoin des aventures. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka Ndeko. John Malobo Mbokawayo, formation au gouvernement. Le Lenge Kani, vous avez comme on a 5 ans à venir. Est-ce que ça a 5 ans d'espoir? Et quels sont les défis au gouvernement au Ezali Koya et Sengé de relever, puisque ça deuxième et dernier mandat à Tata Mokambeko? Bon, dans le gouvernement Koya, nous connaissons tous les défis. Le premier défi, Lumumba, l'indépendance à l'Obama, on sait que veut le peuple, c'est le pain. C'est le manger. Défi, hormis défi à sécurité, défi Moussous et Zali Kolia. Le peuple est en famille. Mais je veux rencontrer mon ami en disant, quand vous dites sur un plateau de télévision que le président Tshisekedi serré, je préfère utiliser le conditionnel, le problème c'est grave. En d'autres termes, voici ce que vous avez dit. Le président de la République est une difficulté à résoudre. Ça veut dire qu'il ne mérite pas cette place. Non. C'est ça que vous dites. Mais c'est ça le français. Non, tu m'as pris un peu de mots, je vais le dire. C'est ça le français. S'il te plaît, je vais corriger. Tu m'avais pris. Corriger, c'est mieux. Je ne voudrais pas que vous créez des problèmes avec l'UDPS, qui est votre parti. Non, moi je ne crains pas de problème, attention. Non, non. Je vous laisse parler. Je dis des choses, j'ai dit ceci. Assumez-vous. J'assume. Le président est un problème. J'ai dit le problème. C'est Fati. Pourquoi? Non, non, non. Non, mais attends, ne laisse. Il faut ne pas. Que je continue. Non. Vous allez prendre le temps d'antenne. La commande. Vous allez prendre le temps d'antenne. Je répète. Nazo répète. Tant que l'Ikambo, le problème c'est Félix Tshisekedi. Toko se souvenir que le problème est à difficulté à résoudre. Batbana bat dictionnaire, batang on andako. Exemple, tant que yo sala mémoire, opposa problématique. Ça veut dire que la question des orientés n'a pas de difficulté rencontrée pour résoudre. Réponse à la problématique, c'est une hypothèse. Vous comprenez? Dans la logique, il y a une
celui qui est au sommet de l'État, est un problème à résoudre. Donc, oser rejoindre, bah, quand il y a Batou, bah, se plaindre na, le fait que le président de la République a Salamokonzi Amok. C'est ça que vous dites, indirectement, peut-être sans le savoir. Ça, c'est le français. Ta réflexion, donc, tu entres dans l'esprit de la lettre. Non, c'est le français. Au côté de la dictionnaire, au côté vérifier en haut, n'attend d'antenne à eux. Le problème, c'est la difficulté qu'il y a à résoudre. C'est ça le problème. Vous comprenez? Mais moi, je dis que. Et puis, deuxièmement, tant que Zoloba était, le président doit jeter de l'importance et la nécessité. En fonction de ces deux éléments, il y a le problème. Non, on a pas prérogative naïe. Et puis, la nécessité, l'importance, à cogiger d'une manière, cette manière-là ne va pas se corréler à ton aspiration. Parce que vous lui accordez la latitude de juger de l'importance et de la, de juger de l'importance et de la nécessité. Vous comprenez? Cette importance. Apparemment, tu aimes beaucoup parler français pour ne rien dire. Loba n'a non, lingala, non, ça c'est ton appréciation. C'est ton appréciation. C'est ton appréciation. Je dis très bien. Quand vous dites que le président. Et Michel Zalingala. Oui, tant que Zoloba qui est président. Non, vous allez bilingue, prenez-en moi à l'aise. Tant que Zoloba qui est président, a ça problème, pour y aller en capacité, j'ai l'importance et la nécessité. Non, on a pas prérogative. Et dans les jugements de l'importance et de la nécessité, ces jugements ne peuvent pas rencontrer tes attentes. Vous allez comprendre? Ça peut ne pas rencontrer tes attentes. Président juge important, c'est d'accord, ça, la tête, il y a une fois ça. Là. Parce que le président juge des différentes prérogatives et il a la latitude d'appréciation. On a pas bloqué, il faut gober. Et il faut éviter de dire que le président est un problème. Ça peut se transformer en outrage. Et qu'on conduit dans ma cas là, tu ne vas pas. Tu ne vas pas m'intimider. Je ne t'intimide pas. Je ne laisse pas passer. Je ne t'intimide pas. Tu veux m'intimider. Maman, je t'intimide mon toi. En français, les mots sont des pistolets chargés. Non, moi, je ne vous ai pas arrêté. Souffrez. Allez-y. Je répète. Quand on dit que le président est un problème, ça peut se transformer en outrage. Ça, c'est grave. Je reviens. Ça, c'est très grave. Il faut savoir retenir une fois pour toutes que le président, en jugeant de l'importance et de la nécessité, ça peut ne pas rencontrer vos attentes. Parce qu'il a la latitude d'appréciation. Donc, évitez de balancer des différentes théories concernant le gouvernement. Là où je rencontre mon frère, c'est quand il reconnaît avec moi les mérites et les différentes capacités à Marie-Josée Ifoku, qui est une évidence, Lélo, il a approuvé et je vous salue. Non, mais Ifoku, toi, c'est une collaboratrice à moi. Tu ne vas pas m'apprendre Ifoku. Je la connais de fond en comble. Va lui parler de fierté d'une arrivée. Merci beaucoup. Je sais de quoi je parle. Mais merci beaucoup. Je répète encore. Il ne s'agit pas de discuter sur les relations qu'il y a entre X et Y. Je me répète et je dis, je suis très heureux du fait que je suis dans un plateau de télé et un homme a salué les mérites de mon autorité de référence. Vous comprenez? Celle pour que je suis porte-parole. Est-ce qu'on a pu saluer en côté? Si on a salué, on a salué Meba. Je pense que je peux continuer. Sur ce plateau, tu n'avais rien à dire. Non, je peux souffrir, je peux continuer. Sur la formation du gouvernement, je répète en disant que les défis sont de deux volets. Pour moi, le plus grand défi, c'est du point de vue économique et du point de vue sécuritaire. Les défis économiques, comment arriver à relever l'économie de la RDC? Aujourd'hui, on doit changer l'architecture de la République, des institutions de la République démocratique du Congo. Le changement de cette architecture nous accordera la possibilité au pouvoir public de bien mener sa politique. Madame, je vais vous le dire. Le Sénat aujourd'hui permet à ce qu'il y ait la seconde lecture. Et ça permet la seconde lecture, Ezala. Mais à quel coût? Dans 100 ans, 200 ans, le Sénat va disparaître parce qu'il n'y aura plus d'élection des sénateurs. Ça sera rempli des sénateurs à vie. Vous comprenez à quel coût? Et d'ailleurs, quand le Sénat, la vie du Sénat, ne rencontre pas la vie de la Chambre basse, commission, moi, c'est créé la commission mixte. Et dans cette commission mixte, c'est la vie de la Chambre basse qui est prépondérante. Posons-nous la question, je mets qu'on le défi, sur l'importance du Sénat. Vous comprenez? Donc, on doit changer l'architecture. Voilà pourquoi nous, avec Madame Marie-Josée Ifoku, nous sommes partisans de la renaissance du Congo. Qui veut dire, nous sommes pour ceux qui disent, nous devons enterrer cette république et passer par une autre république au moyen d'un référendum. Il a posé un problème. Aller au changement de la constitution. Évidemment, un changement profond. Et il a posé un problème de fond. Il dit, sur la ville, province de Kinshasa. Ngobila a échoué. Mais au lieu de dire Ngobila, moi je ne dis pas Ngobila a échoué. Je ne juge pas Ngobila. Je prends simplement les propos de mon frère. Ngobila aurait échoué. Et Ngobila ainsi de suite. Vous comprenez?
Mais au lieu qu'on l'envoie Ngobila, on voit qui? Le président de la République. Vous comprenez? On établit alors que les provinces, selon l'article 3 de la Constitution, si je ne me trompe pas, jouissent d'une autonomie, d'une personnalité juridique. Je crois qu'on est d'accord. Ils jouissent d'une personnalité juridique. Donc on devait remettre, parce que les provinces, comme les villes, les villages, peuvent poser des actes d'autonomie. Ça veut dire, Bakolam Kanatongo, chef ya chef ya ville, chef ya village, accueille des femmes ou la banque. Vous comprenez? Chef ya village a co-initié projet. Mais malgré tout ça, nos provinces n'arrivent pas à se développer. Qu'est-ce qui détruit les développements de provinces? Tout le monde de la province. Il y a un autre qui est dans la zone. Il y a un autre qui est dans la zone. C'est ça que je veux dire. Parce que je n'ai pas dit. Il y a un autre qui est dans la formation au gouvernement. Je suis en train de parler des changements de l'architecture de l'État. Vous comprenez? Pour permettre que, par les changements de l'architecture de l'État, et qu'on permettre tout soit bon, qu'on ait des recettes additionnelles. Et les recettes additionnelles ont une incidence. C'est quoi? C'est accorder au pouvoir public de bien mener sa politique. Vous comprenez? Comme le Sénat n'a pas une grande importance, les assemblées provinciales aussi, je demande, n'ont pas une grande importance. Pourquoi? La décentralisation peine. Est-ce que vous me suivez? La décentralisation peine. La décentralisation peine pourquoi? On n'a pas eu le moyen de mettre en application la vraie décentralisation. Moi, nous suggérons ceci, que nous puissions prôner les développements réels. Et ce développement réel est possible par la révision de la Constitution, en changeant, en supprimant les assemblées provinciales et en accordant plus de pouvoir. Non seulement Félix, parce que nous ne voyons pas Félix, mais nous voyons ceux qui vont venir aussi, en nommant les gouverneurs compétents, non originaires. L'incidence, ça va permettre au gouvernement public de bien mener sa politique, parce que vous verrez que le pouvoir public aura plus de 2 milliards de recettes additionnelles. Et qui dit argent? Qui dit la capacité de bien sécuriser les frontières? Mais quand on va rechanger la constitution, et bien, il y a un aussi, bon, article, il y a un verrouillé, peut-être qu'il y a un changement, un mandat. Nous sommes en train de dire et redire qu'en pharmacologie, il y a un principe qui dit on ne peut tuer une vie par une autre, sauver une vie par une autre, cela revient à tuer. En français, on dit on ne peut faire des omelettes sans casser les œufs. Mais dans une analyse comparative, vous comprenez? Donc, le changement que vous prenez, que vous résolvez le problème encore, qu'on peut ça l'état moussolo. Après résolution, qu'on peut ça l'état moussolo, tu résous les peu problèmes, il y a gangrène, il y a tribalisme. Et qu'on permet de sécuriser aux frontières. Bah, on n'a plus une frontière. Pour ceux qui ont un Congo central, au Congo, il y a, je crois, 37 km de sortie à l'océan. Les lots confluent entre RDC et Angola sur le plateau continental. Angola va bloquer pétrolier. L'eau peut Angola pour te gagner. Parti, tu as gagné ceux qui prennent un bloc, deux, je crois, deux blocs, mais le bloc, nous sommes les lois angolaises exploitant. L'OBIP, tu as question d'un conflit, tu as une nation, tu as une qualité. Donc, il faudrait qu'on pense à sécuriser. Au long cours, les airs. Vous comprenez? Il faut penser que Tchapé est anti-missile. Nous sommes les airs, c'est un mais pour nous permettre à l'État de bien mener le pouvoir public, il faudrait d'abord réduire le train de vie des institutions. Par la réduction des trains de vie des institutions, Dinanga, Aotokolobawa, Macky Sall, dans le contexte, a changé qui pété, à l'ongola qui primatire. Vous comprenez? Bissot, dans le contexte, rôle, il y a Sénat, étant donné que ceux qui conflient les aïe, Sénat, ils coûté cher. Très cher. Mais ceux qui conflient les entre Sénat et l'Assemblée nationale, il y a une qualité. La commission mixte. Ceux qui commission mixte, il y a une qualité. Voyez, l'Assemblée nationale, ils ont prépondérante. Selon si que le leur changement de la constitution, ils ali bongo, il faut que ça soit un lombango. Dans le monde, moi, je suis un aspect économique. Et le problème, c'est la moralité. Ceux qui ont une politique, qui ont changé la constitution, qui ont été au pouvoir, là, c'est un problème de moralité. Il n'y a pas une loi qui va résoudre tous les maux. Et ça, la caté. À ta recherche scientifique, livre, moi, comme on a question, on a commis livre, on a dit, on a contredit, on a dit, la vérité absolue est utopique. Vous comprenez? Et qu'on permet de mener la politique. Pourquoi on doit mener la politique? Les lois, qui ont relancé l'INRA. Il y a un grand centre à recherche. Chuté. Grand centre à recherche. Lobby, il n'y a
Ils ont produit une filière sémencière. Mais tu vois, ils sont unités. Quand nous avons vu un gouvernement aller importer la semence, de la semence, alors que jusqu'avant l'arrivée des musées, on avait une filière sémencière. Vous comprenez? Maintenant, pour relancer la filière, parce que le problème est Zanine, il faudrait poser des bases de développement durable. Mais dans le changement de Yosuana, est-ce que critère de qualité à Batoza compte la qualité est importante. Mm-hmm. Vous comprenez? La qualité est importante. Mais changement Tozo Zela, les résultats, pour un changement structurel, les résultats ne peuvent être à court terme. Okay. Personne ne va me contredire ici. Donc, le président de la République, les lois relancées, inira. Tout ça est évident, inira et relancé. Et qu'on permette de tout couvrir le déficit, il y a plus de 1 million, il y a exportation à la céréale. Mais comment on a les lotés? Et comment on a les années à venir? Mais il ne faut pas qu'il inira souka. Il faudrait plutôt qu'on ait tous les gens qui ont il faudrait qu'on capture la pisciculture dans la cala. Pour les lots, sur tous les produits, moins de 10% de bactéries n'habitent pas. Merci beaucoup, Mwanamboka, Tourozongue, et beaucoup, Namakanisnayo, les cambétales, les salaires. Moi, il y a des informations, les alaki, que le ministère Abidjan a publié, qui bon des salaires, entre autres, salaire à Tata Mokambiekolo, salaire à sénateur, à député, et bon, même tous les autres, est-ce que c'est important, moto toi, c'est Abimaki député, Abimaki député provincial, député national, qui est sous postuler la Sénat, même si je vais postuler ti na cause la gouverneur. Est-ce que ça égoïsme kaka? Parce que c'est vrai que mon beko peki cité tant où j'ai 13 avec mon beko loi électorale pour 5 yango ba te belé ba télé mena ki ba boy yango ba lingi kaka. Donc yemoko tandis que cause la député national na sénateur est incompatible, c'est-à-dire que ceux qui osa voté de deux côtés oti ka suppléant. Donc osa conscient que oti ka suppléant mon kei ba voter de deux côtés pour biki kuno ti ki madame. Ah, yo moroye, so yu beba nommé au ministre, au tiki sogi nan, au tiki cousin, au tiki moana. Finalement, ça complique. Le Cambodge réduction, juste pour nous compléter, réduction à 30 défis des institutions. C'est très important. Déco, la question sur formation au gouvernement, quel est votre point de vue et quelle est votre lecture rapidement? Maman Naomi, nazo rebondir, na ramasser nan barguima ya bandeko. Pouite ba kongomani ba landa biso ba comprendre que bango mbale bazo soutenir mais c'est tout mais bazali un problème à incohérence au comprendre que bazali un problème majeur zakati na bango déjà bazali ko kanté sur le plan d'idée ça cause déjà un sérieux problème et c'est ce qu'on voit même au sein de la gestion de la chose publique ndeko nanga lobi la discrimination est en fait des sociétés c'est prouvé. Moi je n'ai pas dit ici, je ne parle pas de la discrimination dans un sens négatif. Peut-être l'ami n'a pas compris tout le balingal. Il utilise tellement de théories que même Bakongomani va comprendre. Il faut t'expliquer. C'est la théorie qui engendre la pratique. C'est le concept mental qui engendre le concept verbal. Vous êtes juriste, hein? S'il vous plaît. C'est la théorie qui engendre la pratique. Comment, si tu n'as pas la théorie, tu vas passer par l'approche pragmatique? C'est le concept mental qui engendre le verbe. Autant la logique. C'est une question. Allergique à la contradiction. Quand même, mais pas habitué aux alliés bien disciplinés. Tant au banal, au banal, qui je m'en excuse. Alors, tant aux autres, ma camouille différence entre ban au basali na cham na ba au basali na gombe. C'est sur les plans sécuritaires, c'est aussi sur les plans alimentaires. Aujourd'hui, nous vivons sous l'essai de la pauvreté, madame. Voyez-vous, c'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Sur en fait, ils ont un problème au dengue banana basali qu'au vivre basali n'a pas condition à bien. Et puis kuna mais pourquoi to ya criminalité zali plus élevé na district Tchangou que na commune Bombe? C'est ça la question majeure. Un de kozo banamu azolo baké, non, le problème n'est pas Fati, il contredit encore son ami. Mais écoutez, soit il y a un sérieux problème. Batanga ma commune ngo bien té. Le chef de l'État, il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il engage les troupes au fond. Ouais, c'est lui le magistrat suprême. Sur la scène internationale, c'est lui qui représente la République démocratique du Congo. Vous venez ici sur le plateau pensant pouvoir bien construire les raisonnements, mais voyez, ici nous parlons République, tu es comme ça la théorie à classe, tu es comme ça la classe. Madame, le problème c'est Félix Tshisekedi du Tulo. Vous voyez, c'est lui le problème. Abemé Libiso et Yassi. Ok? Yende Mutamemel Biso Kagame. Alors, pendant qu'il nous a amené Kagame, Kagame était déjà chef de plus de 10 millions, plus de 20 millions de Congolais morts dans la partie Est. Il était déjà chef de ça.
Adoloba, oh non, l'histoire date de 1994, il ne maîtrise même pas cette histoire-là. L'histoire de 1994, et ça là qui, France, et puis par le truchement de l'Assemblée, du Conseil, je crois du Conseil national, du Conseil de sécurité des Nations Unies, bah c'est là qui na Mobutu à ouvrir bah frontière pour na recevoir bah Hutu oh bah là qui génocide na Rwanda et puis nous to yamba qui bango mais les lots est-ce que R bango bazui République démocratique du Congo Bounaga n'était occupé mais le problème de la sécurité dans la partie est existe depuis mais madame la situation a été vaincue en 2013 par le président Kabila qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour résoudre ce voilà problème des gens qui massacrent. Les lots, cher ami, je suis très discipliné sur les plateaux. Kobamona Mboka. Vous savez, madame, les lots, bazo ko kako dénoncer Ouganda. Or, Bounagana n'est pas proche du Rwanda. Bounagana est proche de l'Ouganda. C'est-à-dire, si les M23 aujourd'hui occupent Bounagana, c'est que les kinde nanzela ya Ouganda pour occuper Bounagana. Mais le silence des morts, aucune autorité parle de l'Ouganda. Ça, ce n'est pas la complicité. Comment on peut venir sur le plateau de télé pendant que les gens meurent dans la partie est, c'est comme si Toyo Kosa la théâtre A. Le chef de l'État, celui qui engage la République démocratique du Congo. Il nous a dit ici, vous savez, on est lié en président sur base d'un projet de société. Allez, soit disant qu'il avait obtenu 73% de l'élection. Ok? À ce que on sous-entend que Maloba ou Yaloba qui parce que peuple a pèse ce qui réellement peuple a voté, qu'est-ce que peuple a pèse pouvoir ou parce que a promis quelque chose. Bah, institution est légalisée et puis c'est bongo, CENI et puis la Cour constitutionnelle. Donc mais écoutez, madame, qui n'a pas vu ce qui s'est passé ici en République démocratique du Congo? Les élections chaotiques que Kadima nous a organisées, ça, c'est pas les élections. Et ça dit que les malheureux ont décidé de passer maintenant. Bah, on va encore dans la carte, bah, on va problème. Ceux qui saignent, mon cas, ont reconnaître que ma machine est boumaki. Celui qui avait la machine, il se substitue à la CENI. Déjà, tant qu'on a besoin d'organiser fraude ou à la nuance, c'est pour que nous puissions avoir quel genre de dirigeant. Oh, Naotin de Kalobi, non, c'est son entourage. Non, qui vous a dit que M. Tulombo lui-même était bon? Parce que. On ne peut choisir que Bao Yoyo Yebi. Si il n'était pas bon, population de l'Ingépé, ça est 73. Mais madame, je vous ai dit ici que c'était un coup d'état électoral organisé, orchestré par Kadima. Oh, 73%. Oh, Yazu. Ce qu'on y a, c'est 73%. Pourquoi Zolou, la majorité, n'a parlé? Pour vous, élection, mais c'est logique, c'est constitutionnel. Mais écoutez, madame, tout le monde veut la République. Ah. Il faut toyer bah oh ils ont dit bah problème yamboka oh tous un problème à sécurité. Ils nous avaient promis qu'à la moindre escarmouche à quoi attaquer. Bref, c'est un discours qui a donné de l'espoir au peuple. Les lots te le bel que la meilleure des façons pour résoudre ce problème, on fait la guerre au Rwanda. On repousse l'attaque. Si la scène internationale, ça se justifie comme de la légitime défense. Il faut que ils aient un droit à la légitime défense pour nous défendre le peuple. Il y a des choses qui ne se négocient pas sur la scène internationale. L'intégrité territoriale, ça ne se négocie pas. La souveraineté, ça ne se négocie pas. L'unité nationale, ça ne se négocie pas, madame. Les lois et mon avis, tu as que négocier dans le Canada. Qui trahit ce pays en réalité? Qui est derrière tout ce qui se passe en République démocratique du Congo? Vous dites une chose de son contrat pendant que vous avez condamné Kagame, mais vous n'avez pas coupé les relations diplomatiques avec Kagame. Vous n'avez pas vu Poutine négocier le président ukrainien. Mais, maman, mais après, tu tournes au juste. Comment on peut faire confiance? Comment on peut faire confiance à la parole du chef? Tata, yozo lo banabana, nan son belo boy, ou bien nan sa elo boy, soko zui autant, moi nan a se forcé à zui 70, ou meme le loko anate, ou bimi tatani, yalou koutate. Est-ce qu'on doit gérer la République démocratique du Congo avec autant de légèreté? Les lois allaient qu'on sillonnait partout, mbon wana allaient qu'on dépensait, parce que bah voyage nan son ezali, mbon wazo bimana, qu'est-ce qu'elle était? Pourquoi pas prendre cet argent, investir dans l'armée? Le comme Makambaris.
Le lekomi au monde ba memeli vango mais ba kon ba lobai na biso ah ke biso nde tozali ko manigancer opposition d'ailleurs ko manigancer na risque riso moko biso tonga eto tricher na election le lekomi ne ba la Russie n'est pas une puissance internationale, c'est une puissance régionale, madame. Et ce qui est important pour la Russie, c'est sa zone vitale, c'est-à-dire bao bazai ko entourer région na ye. Si tu touches là-bas, tu verras la Russie. La Russie ne va pas s'intéresser à vos trucs ici. Nous l'avons dit plusieurs fois, investissons, il doit investir sans un sérieux investissement dans l'armée. Problème à est de la résolution. Il faut investir dans l'armée. Tout le monde est militaire, il faut que tu aies. Merci beaucoup, madame Boka. Il y a un gouvernement. On répond à notre juste en rébellion. On répond à notre juste en rébellion. On répond à notre juste en rébellion. On répond à notre juste sur patriotisme, notamment dans le milieu politique. Ko Luka Kimil ya ko zo ba fonction e belé va fonction e belé yo moko bi ke non homme politique a va na ambition est-ce que ça a ambition tope égoïsme ya ko Luka ko bomba nyonso yo moko est-ce qu'il faut penser après puisque on doit le Obama kambayi de PS après le pouvoir de l'UDPS parce que on se disait que l'UDPS au pouvoir une fois réduction en train de vivre des institutions redistribution équitable il y a richesse ya mboka makambo kende parce que vous c'est socio-démocratie. Il y a là. Le côté social, il y a le côté démocratie. Est-ce que vous réussir tout peut vous occuper vers le site? Nous qui sommes de lui des personnes qui sont conscients. Nous sommes tous les gens, c'est malheureux. Mais avant, nous avons la moitié parenthèse. Nous avons les lots. Que Bitumbaya Est, c'est un problème des Occidentaux qui utilisent Kagame comme une porte d'entrée. Yeba lisusu boye que Tshisekedi azalaki na fil à retordre parce que l'armée était infiltrée à 90% par Joseph Kabila. Si Tozo déséquilibré à tout moment dans l'Est de la République, c'est parce que Kabila avait mis des étrangers, bah, généraux, ici chez nous, et qui ont implanté leur souche dans l'Est de fond en comble. Tshisekedi a trouvé un morceau très dur à croquer. Sa diplomatie, les locaux, Azou Mataba avion, il faut apprendre beaucoup. Hein? Le monde est un village planétaire où on a besoin de tous pour exister. Komataba avion n'a rien à voir avec le train de vie des Congolais. Ce sont des canaux qui permettent à ce que Kimia et Kota. Fin de citation. Je reviens à la question. Madame, ça fait très mal. J'ai vu sur la liste publiée de l'UDPS les choses que nous avons combattues. Une même personne, candidat député provincial, candidat député national, candidat sénateur, formateur du gouvernement. Mais dis-moi un peu là. Les autres Congolais qui nous regardent, ils n'ont pas de famille. Et ils n'ont pas besoin de servir la République. Et ils ne peuvent pas vivre. Il n'y a que vous qui avez le monopole. Soit ils n'ont pas d'ambition. Voilà pourquoi je dis non, mais madame. L'ambition, si vous voulez parler de l'ambition, mais tout Congolais a les ambitions. Et encore, ceux qui sont inscrits dans la ligne des partis politiques ont des ambitions. On n'a jamais posé une question à Moutouza, quand il y a un parti politique, au lieu comme un candidat, il n'y a pas le but. T'es une ambition. C'est la honte, Magambazo Sala. Bisouzo ça la passe. Nazo le Belara Augustin Kabuya. Yemoko député provincial, député national, candidat sénateur, candidat premier ministre, yemoko formateur du gouvernement, yemoko informateur, oui. Voilà pourquoi je recadre encore une fois ce que j'ai dit ici que Tshisekedi est le problème. Tshisekedi est un quinoa. Obiso to tambuli na balabala, j'ai des photos, il y a ngana Félix na balabala toujours qui ma manduki. Tout ce qui m'a massacré, ça veut dire que Mozuya passe à Yébaga passe à Baninga. Félix Ayebi passe à Congolais. Le Kola, c'est lui qui détient le commande de la République. Tous les aspects de la République, Tshisekedi en est le patron. Mais pas celui le problème, il peut s'élever. Dire que, influencer sur cet aspect, Oyoke, Moutouye Moura Rokuma, trois fois candidat, ambition n'y a pas de
Et puis ambition wana yo ko tchaka mwana na yo tata na yo koko na yo bango mutu ba kozonga la place wana mbongo nyo za république ezaya bino. Donc c'est une histoire que nous IDPS qui avons souffert ba tunyo so batala ba comprendre ce qui se passe, c'est l'hémorragie à arrêter. Ça, je vous l'ai dit. Vous pensez que le Sphinx a Rosafi, on a bien noté sur Harmonie? Non, en tout cas, pour ce qui se passe actuellement, souffrez que je le dise, hein, Étienne Tshisekedi n'est pas Azali, et il n'est pas fier de nous. Il n'est pas fier de nous. Parce que lui, depuis Nabiso, Ezo au bon maman. Et pas à Batumisato. Peter Kazadi, Augustin Kabouya, Guy Mouadiamvit. Ah bon? Bazo Boma parti. Bazobo ma parti, les décisions se prennent unilatéralement. Ma structure à parti, ils allaient se consulter pour prendre des décisions. Les membres du parti, Babalukeli Bango, Bakumi Banguna, ils donné leurs ordres à mon inspecteur général Kilimbalimba, il faut neutraliser la force du progrès. Cette force du progrès, Oyo et Bundeli, dépèse Tilelo. Bazangi Moussala Kopé Sabango. Force du progrès, excellent, qui n'a pas bavure. Bazangi Moussala Yakopé Sabango, Bakumi Kotraité Bango, le rôle à Banguna. Je referme cette parenthèse, mais je pars sur les faits où ils ont tenu gestion de la République. Parce que Force du Progrès, c'est question de parti politique. Tant que j'ai une émission, j'ai mis balai, on a redéveloppé ma Kambouana, il faut qu'on comprendre. Mais pour la gestion de la République, nous avons besoin des décisions où ils ont fait marcher Mboka. Parce que je le dis toujours que Tshisekedi passera. Le temps remédie à tout. Tu sais qu'il va passer, mais l'institution présidente de la République restera sacrée. Toboyi, il y a tant que le président de la République a commis Boyakouti Makamou se zongeli la case départ. Le principe de la continuité des affaires de l'État voudrait que Batoyo, Bazoua animé par l'institution, Bazoua en âme d'État, va consolider les acquis de la lutte et puis va respecter, va protéger Yango. Ce que l'on voit aujourd'hui, Oyo Batoubazo Sala, il commence au Sala, Sony, il dépèse Nabiso et Nengwanate. Parti du peuple, pour le peuple et par le peuple. Très bien. Je vous reviens, Mme Bokandeko. John, question, la question sur l'Ikambetali, élection à gouverneur. On apprend que la dictée au Salemana, c'est un parti politique, on a fait surtout dans la réunion sacrée, qui a imposé un tel à Rosala. Et si on a dit qu'il y a des Okatanga, ba Sidiki, ba Sepeng, Nangote, mais banane y a des gens qui province, qui ont un développement parce que mandat qui m'a problème et ça qui mingi balongoli oyo bazongi si va voter mon sous finalement ba province nabiso et évolué te nanende il faut qu'on ba province nabiso madame Naomi né nazo bande la koloba ba province nabiso et je joue na personnalité juridique donc moutou fois quand ba province nabiso na contexte elle fois à la manager malheureusement les lots au mona ba tout sousou. Ils n'ont pas les capacités. Je vais être très spécifique pour parler de mon cas. Chez Bissou, on a l'omami. Saka Simeza, 123 000 francs congolais. Et zo matam kona mokol. Saka Sima. Bande konanga baza na l'omami baza témoin. La province est enclavée. Alors que l'omami, les lokoko liye sati kasai. Calcaire, eza na ngandajika. Calcaire, eza la kawana. Mais baza incapable à coproduire Sima. Donc, ce qui manager aye, a komema ba potentiel wana, pe il va permettre par. La personnalité juridique dont jouit le province, dont jouit le province, a co permettre que un investisseur baya, vous comprenez? Ce que ça l'omami, les lots passent à un niveau extrême. Alors que nakala l'omami est quoi qu'on lie ça Mbujimayi, et quoi qu'on lie ça Kindu, et quoi qu'on les pose zélés ali naluba ou entre l'omami na Kindu, mais les lots tant que chef de la République a commis à ce qu'il ne cabine là, attend zélés à la guider. Kuna nazo ebisa bande konanga sur le plateau pour la première fois de ma vie na moni moi sina sima chariot azo benda pousse vous comprenez la pauvreté bas son plein mais ceux qui ont un village wa begi poi au moment que c'est la terre est tellement fertile au kokolona biloko zo bima la tali kolwa ba mur ceux qui ont un capchoche ba ko sala ta pisi qu'il tire ceux qui ont un nganaji ko zo na nganaji ka chute moko za monene la chute de kafumbo. Au bas courir qu'au alimenter ban à l'omami bah yebi couranté bah benga bah bita tant que babi bah benga bah bisan de konabiso tant que kozalwana lobe la biso. Donc aujourd'hui il faudrait quelqu'un qui peut résoudre le problème, le problème de l'électricité. Mais 145 territoires et combien kunate maman ceux qui te coûtent na mozindo tout le monde a blou mtsus na betaka kango d'une manière générale. Il faudrait
il faudrait bah, il faudrait mutuazo remédier il n'y a pas de nazo acquise té nazo parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de la perfection. Vous comprenez dans l'exécution des tâches. Mais pour le cas de nos provinces sont mal gérées. Voilà pourquoi on a besoin d'un député matoy. Bon, tiens, oui, bon, on a mutuazo na bilembo. Entre autres, on a koloba na ngai, je n'ai pas ma langue en poche. Nazo soutenir Faustin Ika. Il est jeune, il a des ambitions, il a des œuvres. Aza est l'ingénieur de Tibiso. Mais Aza est un centre de santé. Aza est maman un centre. Oh, bah, na base, bazotongo fele. Mutua bongo. À longue à salib. Mais il a pris ses moyens. Il a investi gratuitement. Oh, biso tomoni. Nana le canaplato na boya kostenir. Bato ebisinga, ebisinga. Yo za mutua ngandajika. I garçon na za mutua ngandajika. Na bi non. Le patriotisme doit primer sur tout. Yango na zo benga ba députés provinciaux. Na zo benga bango matoy. Oh, Yabiso, c'est Faustin Ika. Nous avons rencontré un camarade. Mais il y a un gouverneur, il y a un gouverneur, comment est-ce que le député provincial a commis un petit roi? Oui, papa. Il y a un tambola mingi. Et puis, mot d'ordre, il y a parti politique. Et le roi, il y a Augustin Kabouye. Il est sali partout. Et le qui, mon roi? Na Kananga, il y a commis même na Facebook. Alors, Kabou, il a dicté Batouna. Bazo tchana Batou, il a commandé. Moutou, il a commandé. Mboujimaï, Kabou, il a pèsé ma Weja, zéro bilan. A pèsé ma Tchabili, zéro bilan. Les lois ont imposé Moutou Moussou dans Mboujimaï. Les lois, ma députée provinciale, dans Otala Bango, n'a pas le destin de l'avenir des provinces. C'est entre leurs mains. Balongwa, mort d'ordre d'un parti politique. Ce qui m'a fait un peu de Bali a fondé. Bali a voté. Comme le cas de Kinshasa. Merci, ça. Pardon. Le cas de Kinshasa. Oui. Ça fait mal au cœur. Une des pestes est pestée par candidat. Bah, tout le monde fait une des pestes délibérément, basa ba candidat. Oui. Mais yo le moine a mort d'ordre, il y a parti. Tika ba de ba provinciaux, bango moko, ba kona yé ba lili. Le mandat est non impératif. Il faut pas que ça le mandat est non impératif. Qu'il faut un manager, un entrepreneur, de qualité. Il y a gouverneur. Oui, pour ça, il y a des gouverneurs. Mais parmi Batouana, il y a des gouverneurs qui ne sont pas liés au parti politique. Qui sont indépendants. C'est l'histoire vraiment. Dans l'objet, Nazo rejoint de répondre à l'objet. L'intégrité territoriale peut être négociée. S'il ne connaît pas l'histoire, je vais le rappeler. Nous sommes le 5 mai 1991. Irak a eu une décision et envahir Koweït. Autant tout temps histoire, non? Koweït, ils ont quoi? Secours, la négociation, tout le monde. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le 5 mai 1991 pour sauver le Koweït. Tozongi wana wabakaiza bilo akala. Tozongi n'est pas contemporain. En 2019, conflit na Bakassi entre Nigeria et Cameroun. Parce que Cameroun a longue année. Non, il ne faut pas comprendre que les lots, tu soutenir, Félix, tu as une chose. Tu as ici. Abloma Bitumba ya Rwanda. Nous sommes tous les Congolais, photos de Simon. Maman Naomi, Bitumba ya Rwanda. Tu as les Russes ne viennent que dans leur carreau, des choses comme ça. Tu as en Centrafrique. Tu as même président, tu sécurisé président. C'est le groupe Wagner. Groupe Wagner, ils sont en Mali, ils sont. Vous comprenez? Donc, moi j'en ai de la diplomatie. Parce qu'on ne peut pas aller à une guerre où le Rwanda a plus d'alliés que nous. Rwanda, Zanekaka, porte, il doit retenir. Et le fait qu'à présent d'appeler au côté IAC n'a jamais été une erreur. Ça, c'est la conjugaison des efforts communs, étant panafricaniste. Et puis, ça, on peut. J'ai dit ceci. Le fait d'intégrer n'a pas été une erreur. Vous comprenez? Mais on peut faire l'étude. Je vais répondre. Il y a Emmanuel Bissoni. Je sais pas. Il ne faut pas comprendre. Tshisekedi dit toutes les actions qu'il a fait, tous les traités qu'il a fait, c'est pour sauver l'intégrité du pays. Il n'y a pas de voie que ça ne ramène pas. Il n'y a pas de voie subitement. La vie se définit comme une suite de tentatives qui se solde par des échecs, mais aussi pas de réussite. Le président ne peut pas faire des économies d'initiative. Il n'y a pas une voie exclusive. Pour la paix, il peut aller partout, il peut toucher partout. Très bien. Intégration régionale est pour résoudre les problèmes. Merci beaucoup. Président permet, on a besoin de la raffiner dans Rwanda. Mon cher, les conflits, l'histoire démontre que les conflits peuvent être résolus par
l'intégration régionale. Merci, ma tombe. Un théoricien. Il faut que nous offrions un théoricien. Tchangou récemment et toujours le bel capital formation il y a l'élection du gouverneur dans la ville province il y a Kinshasa na linde fois kamba na linde singeli ce qu'il faut copier ça bon ba critère pour na ba gouverneur et aussi le Congo n'est pas Kinshasa pour na ba province. Merci maman Naomi na sir bazuita et belé yo moko moni bazui et puis bah 6 minutes 3 minutes 3 minutes donc aujourd'hui OK bon puis... na kozonga na nous na question ya formation au gouvernement. Balobi était le gouvernement émane de la majorité parlementaire. Déjà, ce qui tout à l'heure côté là, le parlement n'a ce qui constitue, banani au bazar qu'on constitue parlement n'a vu. C'est ça la grande question qu'on devait se poser. Ils allaient qu'à bateau de bazar, bah travailler qu'à là, bah moi n'ai qu'à bazar tirer le bazar qu'on continue. Ces gens-là n'ont rien apporté dans cette république pendant plus de 60 et quelques années. Mais la population n'est pas bonne, bon tout ça la bonne. Mais tout à l'heure la logique en l'obélabino que les élections n'ont pas été organisées. Ils allaient qu'ils kélimba, bah ça ils battent n'importe. Bah moi mon bazar qu'on le bah qui bazar copé ça va mort d'ordre. Mais déjà il n'y a pas de structure parfaite. Obéir à principe démocratique. Ils sont là, mais ils n'ont pas la légitimité. C'est ça le vrai problème. La légalité là que la légalité est telle que Baza est établie sur base de la loi. Mais maman, qu'est-ce qui est-ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons et le connu n'a pas l'oublié connu. Et le comment côté Toza Awa Tokozong à la plateau haut. Et le comment côté gouvernement, mon côté à ma l'oublié connu, mais la carte n'a parlé ma haut. Pour être au moment où Bazali Kolobela a, que Bazali Kopé sa bas mort d'ordre. Comment ça fait-il pour les affaires de l'État? Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, vous privilégiez les intérêts des partis politiques? Vous privilégiez des intérêts de politique. Bazali quoi acquise Kabuya parce que bah que Bazana parté quelque part. Yango no moni bango Bazali ko bundana entre bango na bango. Bon, quelle est la part de la population? Quelle est la part du peuple dans ces histoires? Oh nous sommes tous avec vivre les lots par à peuple Zalini. Ozomona ke bato balingi mbokate. Pour être temps ozopé sa mode d'ordre na o Zalini assemblée provinciale. Pour être aya ko élire soit ko nommer président gouverneur. C'est que réellement, la personne qui est là ne comprend même pas le pourquoi il est là. Oh, à Mathieu, on a pour une fraude. Gouverneur, il y a conservé Moka bien, ce qui est bien, qui a fait ça qui va député provincial Mou. Justement, comment décourager ces pratiques? Parce que le monde est mis au point, il y a Séni, Kolobake, Abandi, Koyoka, déjà, il y a la corruption, mais la province Nabiso, finalement, est non développée, et Torozong, il y a la routine, mais comment? C'est ça la question. Torozong, il y a la réponse. Maman, il y a un fantasme, le problème, c'est le système. C'est le système, le problème, c'est ça. Mais pour changer le système, mon président Seth Kikoun, il a toujours dit que la scène politique doit être trouvée le meilleur de notre société. Une quantité très négligeable. Ok. C'est-à-dire que la scène politique doit retrouver les maires de notre société. Bah, oh, okay. Bazali, qu'on dirigeait Bissot. Est-ce que Bazali va meilleur à la société Bissot? Mon camarade, il est là. C'est quelqu'un qui se défend bien sur le plateau de télé. Est-ce qu'il sera d'abord cité là-bas? Est-ce que Kabuya est bien? Ou quelqu'un, ah, pose ou poste, il faut Eban. Il faut aller qui a. Moi, je Marie José. Je suis que... leader Nangaye Bingaye. Je parle en son nom. Donc, il faut congolais, pas congéler. Congolais, il faut pas congéler. Même toi. Vous êtes allergique à la congolais. Non, même toi. Tu es un peu erroné dans le raisonnement. Comment vous faites? La personne qui doit te connaître, ce n'est pas Seth Kikuni. C'est le peuple congolais. Mais écoutez. Moi, je m'en fous que Kabuya me connaisse. Je m'en fous que Tshisekedi me connaisse. Mais laissez-moi le temps de finir. Je me plais que le peuple me connaisse. Et que j'apporte une solution aux désidérata du peuple. Moi, je relais les positions d'une personne qui est Marie-José Ipoko. C'est tout. C'est lissa, mon amour. C'est grave de voir que. Allez-y. Maman Naomi, peuple, Azana Posa lia bien. Azana Posa a la sécurité. Azana Posa a salam salani malam. Peuple, soit lia bien. Azana ba condition sur la vie malam. Alors, s'intéresser à la maramba politique. Dans des pays bien organisés, les millionnaires ne sont pas des politiques. Trump est un millionnaire. Joe Biden est millionnaire. Nous devons réfléchir pour que ce société n'a plus sa mère. Mais maman, donc on réfléchit, on est déjà dans le poste.
Bazarana pour être banomé bango, qu'est-ce qu'il peut apporter? Allégation gratuite. La même, c'est-à-dire que ils sont là parce qu'ils ont été nommés. Ils vont rien foutre, on est ici, nous allons revenir. C'est-à-dire qu'on ne peut rien attendre de ces régimes. Non, mais ça me désespoir. Non, non, ce n'est pas ça me désespoir. Le peuple reste toujours focus dans les combats. C'est-à-dire, les combats, oui, ça ne se gagne pas d'un jour. Contre qui et pour qui? Contre les systèmes. Aujourd'hui, le système est assimilé par qui? Par ceux qui gouvernent, madame. Et ceux qui gouvernent n'aiment pas le Congo. Nous, nous allons apporter... Écoutez, ils sont en train... Mais là, on a compris les barons. Il y a un problème interne, il y a un parti, mais il y a un soutenir, mais c'est fait, c'est qui? Mais ça m'étonne, parce que c'est lui qui chapeaute. Les collaborateurs ont choisi ces collaborateurs. Yo tangina mwana ke, o tangina kamadite. Comment vous allez faire en sorte que Mutana pousse na pembeni? Du moment où tu étais là, c'est qui ça semble se ressent. Il y a des organisations. Pourquoi tu dois pas la concentration du pouvoir alors que tu es juriste? Je vais te dire, du moment où tu sais qu'il y avait des résultats. Non, je vais apporter une nuance. Vous avez un sérieux problème. Ce sont des hérésies. Aux gens apportent de sa population. Attends, du moment où Tshisekedi avait été élu président de la République. Il n'a pas été élu. Et qu'il a prêté serment. Et qu'il a prêté serment. La fraude profite à qui? Tous ces députés qu'on a invalidés. Ils ont aussi voté. Même aux États-Unis, il y a des fraudes. Attends, s'il vous plaît. Il justifie la fraude, vous voyez? Je ne justifie pas. Je veux dire, il n'y a pas de société parfaite. Il n'y a pas de société parfaite. Je vais donner une lumière. Je donne une lumière. Il n'y a pas de société parfaite. À toi surtout. Tu sais qu'est dit élu président de la République quand il a prêté serment. L'État était abyssal. Il a cessé. Il n'a pas la légitimité. S'il vous plaît, il a cessé. Laisse le débat de la rue. Il a cessé l'appartenance à l'UDPS. Il est devenu une institution. Quand en tant qu'UDPS, qu'il y a des problèmes, quand nous attaquons les fausseurs de troubles à l'UDPS, c'est pour sauver le parti dont nous sommes ressortissants. Tshisekedi n'a rien à voir avec l'IDPS parce qu'il gère toute la République, il gère l'ANC, il gère l'ANC, il gère tous les partis politiques en tant que garant de la nation. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Tokutani, lundi, n'a pas invité mon sous non salamaka sinage de la bino ba maman parce que la semaine prochaine, on aura vraiment plus n'a pas maman tout réfléchir politique. Je peux pas, je voulais dire politique au féminin. Concept moi, Isaac, qui est maman Denise, hein? Le Congo au féminin. Le Congo féminin. Et puis, je pense que peut-être tu reçois un peu plus, présent le mois de mars, un peu plus de postes et plutôt assimé. En gros, tout ça, mon salaire, je ne sais pas si tu as été posé à moi, si tu as été au Sengeli Wana. Donc, on a la compétence et c'est une méritocratie. Ndenge et Zalaka. Merci à Bandoku Bazaki Nabiso et merci Nabino Tolinga Congo. Nous sommes à Koloba. Tobate la Congo et to Tonga et Kolonabiso. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya diaspora éparpillée à travers le monde. Au côté d'un bon économie facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, sportifs de la bande de Kombongo. Dans il y a application sans doeuvre au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo, Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange, Manila, Bango, et yo, et si ka ozali, bon nouvelle, Miami, Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et qu'on tindi na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux télécharger, Mokona Lelo, Marambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam, bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, Nandela, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.